Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau Let's Play. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le Spyro 2. Alors je me suis pris la nouvelle version, enfin la nouvelle version, la version de 2019 où il y a les trois jeux intégrés directement sur le CD et non en téléchargement. Donc faites attention, prenez la version de 2019 mais pas la version de 2018. Allez voir la vidéo de Indie Jeux qui vous explique un petit peu en détail la différence de ces deux versions. En tout cas moi j'ai la version de 2019 maintenant, donc ça m'a permis d'avoir les trois jeux, même si un jour j'ai plus de connexion, au moins ça fonctionnera normalement. Et là aujourd'hui on va s'attaquer à Spyro 2 qui est au milieu. Donc là vous avez Spyro 1, Spyro 2, Spyro 3 et Spyrosaur. Non, je rigole. Allez, let's go pour le 2. Je vous avais déjà fait le premier en let's play, il me semble. Je crois que c'était en direct. Bon bah là c'est en différé. On peut pas tout avoir. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Cette pluie va-t-elle s'arrêter un jour? J'en oublie à quoi ressemble le soleil. On devrait partir en vacances, dans un endroit chaud et ensoleillé. Les rivages dragons, oui! J'y suis pas retourné depuis qu'on a botté les fesses de Gnork. Ça te dit, Sparks? T'as envie de bronzer sur la plage? Le dernier arrivé est à Gnork! Ça marche, professeur? Presque. Il faut seulement que je rajuste ces orbes et... C'est peut-être pas une bonne idée, après tout. Un dragon, ça pourrait mettre Ripto encore plus en colère. Arrête, chasseur, et tiens-toi tranquille. Mais tu as vu le livre du professeur? Ils ont des griffes comme ça, des dents comme ça, et ils crachent du feu comme ça. Ils ont l'air bien plus dangereux que Ripto. C'est exactement ce qu'il nous faut. Un dragon est notre seul espoir pour vaincre Ripto, tu le sais bien. Ça marche! Ça marche! Voilà notre dragon! Wow! Quel atterrissage! Salut! C'est par où? La plage? Hey, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez jamais vu un dragon ou quoi? Tu es un dragon? Ça te pose un problème, le minou? Bien, bien. On dirait qu'on a oublié de m'inviter à la fête. On essaye de me cacher quelque chose. Un dragon? Vous avez amené un dragon, moi, Valar? Je hais les dragons. Gueule, espèce d'imbécile! Tu as mangé mon sceptre! Je m'occuperai de vous plus tard! C'est qui ce clown? C'était Ripto, et il faut qu'on s'en débarrasse. Il nous crée toutes sortes d'ennuis ici, mais je n'ai pas le temps de t'expliquer. Tiens, prends ce carnet magique. Il t'aidera à comprendre les mondes d'Avalar. Maintenant, je dois poursuivre Ripto et voir ce qu'il manigance. On se voit à la forêt d'été, d'accord? Hé, hey, attends un peu! Dans quel pétrin on s'est encore fourré, mon vieux? Bon, j'ai envie de jouer. Bienvenue à Lueur, Spyro! Ah, d'accord. Attends, je peux... Ah, d'accord. Bien. Ok, pardon, excusez-moi. Oh, les petites coquines. Attends, faut que je m'y fasse parce que c'est pas du tout pareil que...
Il est un peu plus compliqué parce que dans le premier, dans le tout premier monde, là, dans, au départ, ils étaient inoffensifs. Et là, ils attaquent déjà. Bon, j'examine un peu les coins. Je me familiarise un peu avec le jeu. Voilà, je récupère un petit peu les trucs. Merde. Bon, assez de blabla. Salut Spiro, je suis une amie d'Elora et elle m'a demandé de t'aider. Chaque fois que tu me trouveras, j'enregistrerai ta progression, comme ceci. Ok, la petite fée. Cet éclair indique que quand tu... Ah bah non. Ah bah y en a qui s'échappent. C'est vraiment beau et les graphismes sont magnifiques. Ah bah je veux pas tuer. Il est gentil lui. Comme toi, les tailleurs de gemmes sont on dirait pas de patrouille pour monter sur ces échelles. Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai pas compris. Bon. Il faut payer si tu veux traverser le pont. Et on dirait bien que tu n'as pas assez de gemmes. Ah d'accord, donc il faut que j'aille en chercher. Ok, ok. Attends, on va faire un truc. Bon bah faut que j'aille chercher des gemmes. Putain il en faut 100. Putain il rack déjà quoi, putain. C'est pire que Macron quoi. Ah c'est pour ça qu'il y a plein de... Il y a des violets, il y a des rouges. Bon je crois que le sang ça va arriver. Oh la pauvre coccinelle. Lol. Bon, j'en chope 100 et après... Je peux pas en avoir plus de 100. Bon, je retourne à l'intérieur de la caverne d'Ali Baba. Oh, j'aime bien comment il vole par rapport au premier. Je trouve que c'est moins rigide. Attends. Elle chante cette vue là. Tu es de retour et tu as plein de trésors. Merci, monsieur le dragon. Spiro. Pour regarder les environs. Ta gueule, hein. Bon, les tutos, ça me saoule. Il est méchant lui. Attends. S'il y en a un autre là. S'il y en a un autre là qui va me taxer mes gemmes. Je commence, on me taxe déjà quoi. Je vois pas qu'il a changé beaucoup de graphisme entre l'un et le 2, le dragon. Pas une grosse différence. Oh non! Tiens, salut! On n'a pas encore eu l'occasion de se présenter. Je m'appelle Elora. Salut!
Je le trouve un peu en carton le méchant par rapport au premier. Le premier il était quand même charismatique. Là, bon en même temps on joue pas un jeu pour le méchant, on s'en fout un peu. Hein. Ouais. Ils m'ont même donné un souvenir. Ils appellent ça un talisman. Ils t'ont offert un talisman? Pourquoi? C'est spécial? Je l'ai rangé dans le carnet que tu m'as donné. Tu vois, il existe 14 talismans à Avalar et ils sont tous magiques. Si tu en rassembles un nombre suffisant, ils te serviront à vaincre Ripto. Chasseur, où étais-tu passé? Je me suis perdu. Spyro va nous aider à récupérer les talismans. Ah bon? Vraiment? Écoute, Spyro, il est impossible d'atteindre les rivages dragons pour l'instant. N'hésitez pas à revoir mon live sur la PS3. J'ai fait avec Retro Negen, le trésor de Nat, Chozu et Dashim. Qui a commencé d'ailleurs, Dashim qui a commencé à faire des vidéos cette semaine. Il a chopé un Rule of Rose à 62 centimes. Tu ne sais même pas où tu mets tes tennis. Alors comment veux-tu qu'on te confie 14 talismans? Ouais, c'est bon. Trop de blabla là. Trop de blabla, tu le blabla. Spyro, voici le monde nommé Forêt des... Bon, on a compris. Ouais, c'est joli. Putain, c'est vachement beau. J'ai même envie d'aller de l'autre côté, quoi. Pas mal de petits jeux de plateforme, même sur la PS4, hein. Je change cette vue, là. Attendez. Merde. Attendez, pardon. Excusez-moi pour mon oops habituel. Voilà. Oh, il est gentil. Lui, il ressemble au méchant, au personnage de Kay. Ripto a détruit ce pont, alors tu devras planer par-dessus la brèche. C'est bon, j'ai compris. Me faire chier, toi. Ah oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Bah, ça m'évite de payer 100 gemmes, quoi. Putain, qu'est-ce que... Ah, putain. On va pas tuer ces pauvres moutons, ils m'ont rien fait. Ah oui d'accord, c'est là où que rejoint tous les mondes. Ok, je crois avoir compris. Ils auraient pu mettre un ennemi ou deux quand même. Je sais pas, ça va m'emmener ça. Je passe parce que j'ai envie de jouer un petit peu. Spyro, les... C'est bon, je passe un peu là, c'est bon, les cinématiques, c'est bon, il y en a depuis tout à l'heure. Je joue un peu moi. Merci petit homme vert. Il ressemble un peu à des trucs de Crash, je pense que ça, il y a une petite dédicace à Crash, mais je dis peut-être une connerie. Oh merde, il m'a eu ce fils de pute. Putain, bon, comment... Mais se défendre ces connards, là. Tina, reste là. Putain, mais on fait comment pour l'avoir, là? J'ai pas compris.
Attends, comment on fait pour les avoir là? Ok, lui il est. Oh! Bon, ça va me faire chier là! Je vais peut-être lire la cinématique de l'autre là. En fait il attaque pas quoi. Bon bah s'il attaque pas moi je me barre. Méchant ça. Oh, d'accord, il bon. Ok donc lui il fait rien. Ah oui d'accord, en fait faut pas le combattre. Si tu le combats tu te fais tuer. Ok. Ah bah oui, mais moi attends, moi je vois un ennemi, je le maîtrise quoi. C'est méchant ça? Non, c'est pas méchant. Allez, saute! Métal rendent les ennemis invulnérables à tes flammes. Si tu maintiens charge enfoncée, tu peux les vaincre en leur fonçant dedans. Ça va marcher ce truc. Putain mais ça. Ça va être fou. J'arrive pas, je suis con quoi. Ah ouais d'accord, ok. J'ai pas encore la maîtrise hein. Bon vu qu'il me tue pas, vas-y je vais leur foutre la paix. Ça sera plus mieux. Attends. J'avais pas vu lui. Ah d'accord, ça c'est qu'une ligne. Tu peux faire tourner la caméra. Mais ça, c'est tout ça pour me dire ça. Je vais aller là. Tu es très courageux, Spiro. Huh.
Elle est où la petite? Elle est où la petite Salut Spiro, tu m'as l'air d'être assez agile. Je te propose une épreuve. C'est quoi ton épreuve là? J'ai pas compris. C'est quoi son épreuve? Sparks, la petite libellule qui te suit partout indique ton état de santé, Spiro. Plus il brille, plus tu as de points de vie. Ah d'accord, je charge, ok. Parce que lui il m'a donné une mission à faire, mais j'ai pas tout compris. Attends. Je crois que j'ai pas... Attends... Je vais remonter en haut, parce que j'ai pas tout obligé là. Je crois qu'il allait me suivre, mais en fait non. C'était ça l'épreuve. C'est pas mal. Pour le prochain saut, tu vas essayer de planer. Appuie sur sauter. Puis c'est pas mal. Pour le prochain saut, tu vas essayer de planer. Appuie le sur. Plus loin possible. Ah, mais tu veux que j'aille où? Bien joué. Essaye maintenant de battre des ailes. Appuie sur sauter, puis recommence pour planer. Quand tu arrives à la fin de ton vol, appuie sur action pour battre des ailes. Cela augmentera la hauteur et la distance. Merde. J'ai complètement paumé. Attends. Tac, tac, tac. Je suis sûr que c'est dû à la con, hein. Ça fallait où déjà, là? J'ai pas compris ce qu'il faut faire, j'ai rien compris. Ah mais faut aller où là? Putain, mais... Ah ouais, faut aller en haut là. Je sais même pas par où je suis. Putain, mais je suis passé par où moi? Des ailes, appuie sur action pendant que tu planes. Attends d'être près de ta cible pour le faire. Oh, et n'oublie pas de continuer à avancer quand tu bats des ailes. J'ai rien compris. Oh, j'ai rien compris là. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Je sais que c'est mission la con, lui. Pour battre des ailes, appuie sur action pendant que tu planes. Attends d'être près de ta cible. Attends, mais tu m'embrouilles avec ses planes, ses machins, ces trucs, hein. Ah putain! Je crois avoir compris. Oh la putain, comment ça me fait chier moi? Puis lui il m'envoie avec ses épreuves à la con moi. Pour battre des oui ailes, c'est bon. Dans ta gueule. J'ai réussi, alors me casse pas les couilles. Très bien. Maintenant, le plus difficile. Tu vas devoir tout donner. Commence par marcher, puis saute, plane et bats des ailes avant d'atteindre le bord de la plateforme. N'oublie pas de continuer à avancer quand tu bats des ailes.
Tac, tac. Putain, je m'en rappelle même plus. Putain, mais c'est pas vrai! Oui, c'est bon, ta gueule. Waouh, tu es un véritable athlète. Si je n'avais pas perdu mes tennis, je ferais la course à... Je m'autorise une petite pause. Il faut que je me prépare pour la prochaine course sur le circuit. Bon, je vais aller revoir la petite... Je peux aller d'ailleurs. Je vais sauvegarder puis je vais en rester là. Je sais même pas où aller elle. Ouais. Elle gros lard là. Elle est où la petite sirène là. La petite sirène. Non, c'est une fée, je sais plus. C'est beau, allez. Mais merde! Je peux pas aller. Attendez, je suis un peu perdu là, je sais même pas où aller là. Peut-être m'aider à savoir où aller. Je sais même plus où aller. Même plus où aller. Putain, mais elle est où? Je sais même plus où aller. Merde, bah heureusement que je l'ai pas refait parce que je l'ai loupé. Putain, elle est où là? Elle est où la sirène? Je sais pas quoi là. Un sketch ou quoi? Bah, je suis désolé, mais je sais plus où. Putain, je suis perdu, je sais plus où est-ce que. Ah bah elle est là la petite fée, putain pardon, excuse-moi. C'est bien elle qui me donne... Bah c'est bon. Oh, attends, j'ai rien un truc. Quitter le jeu. Je vois un truc. Bon, j'espère que ce petit début de let's play vous aura plu. Je sais pas si j'en ferai d'autres, peut-être. J'ai bien envie de commencer au Outlast aussi, le 2. Je regarde quelque chose, je vérifie quelque chose. Je vais voir s'il va me refaire ces trucs de merde là. Ah bah je crois qu'il... Ah bah il est plus là. Ah, vous avez vu, il s'est carrément barré.
Bon bah j'ai fait son épreuve, on est d'accord, il est plus là. Hein. C'est bon. Bon bah apparemment j'ai fait son truc. Hein. J'ai pu... Ouais, il est plus là. Bon bah c'est bon, je crois que j'ai fait ce que j'avais à faire. Bon bah merci d'avoir regardé ce petit let's play, un petit début sympathique, que je trouve tout aussi bien que le premier, même je trouve qu'il vole peut-être un peu mieux, un peu moins rigide. Bon après niveau graphique, je trouve qu'il y a, vu que ça a été un remaster, il n'y a pas une grosse différence entre le 1 et le 2 au niveau des graphismes. Je trouve que franchement c'est exactement le même dragon quoi, quelque chose près. C'est les mêmes personnages, c'est les mêmes ceci, c'est... Voilà, bon le méchant est peut-être un peu moins charismatique que le premier. Allez, on se retrouve pour un prochain let's play, ou une prochaine vidéo, ou un prochain live. Ciao et bye bye!